Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Oh lolo. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Et là vous vous dites, mais pourquoi il a mis une grosse doudoune? Bah pour rappeler le froid, Alors là vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de froid, etc. Il met dans le titre Gogeta Blue, Broly, etc. Eh bien les gars, il y a eu des news qui sont arrivées ce matin, hein, je me suis levé, poum, tu vois, encore en sursaut, Ludivine qui m'a réveillé, hein, quoi, comme elle m'avait fait avec Mugaté, tu vois, réveille-toi, et là tout de suite, maintenant je comprends, quand elle me dit ça, je dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive sur le jeu, tu vois, je sais très bien qu'on me parle du jeu Dragon Ball Legends quand Ludivine me réveille comme ça, tu vois, elle m'a dit, apparemment, ça commence un peu à teaser Gogeta Blue, bam. Hop, je me réveille, je vais prendre mon téléphone, tac, tac, tac. Et là, je regarde quoi, les gars? Eh bien, on va aller voir ça ensemble sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends. Par la même occasion, n'hésitez pas à me suivre via mon compte Twitter. Le lien est dans la description de cette vidéo. On est déjà bientôt 14 000 sur le compte. Ça, franchement, ça fait plaisir. Alors, vous allez voir. Du coup, c'est ce tweet-là sur le compte officiel Dragon Ball Legends. Eh bien, regardez ce qui a été teasé. On le sait que Dragon Ball Legends, ils aiment faire des petites énigmes. Alors attention, c'est du Google Traduction. Il fait froid là-bas. Vous savez pourquoi déjà je mets la veste, hein. Il fait froid là-bas. Alors assurez-vous de vous habiller convenablement et de vous réchauffer. Ne perdez pas ce froid. Ok, donc là, on se dit, mais c'est quoi? Moi, tout de suite, bam! Elle a eu raison, Ludivine. Moi, ça me fait penser à Gogeta Blue. Ça me fait penser à du Broly de Dragon Ball Super. Pourquoi? Eh bien, vous allez le voir. Regardez-moi ce que j'ai tweeté. J'ai tweeté ça. Alors, évidemment, hein, j'ai mis des smileys parce que j'ai sauté du lit, les gars. Ce qui me fait rappeler le froid, c'est le film Broly DBS. Me dites pas que Gogeta Blue arrive selon vous. Ah, j'ai marqué cela. Ouais, bah, l'orthographe, comme je vous l'ai dit, c'était le matin, là, je me suis réveillé en sursaut, donc voilà, désolé, cela, selon, vous l'aurez compris. Eh bien, on peut apercevoir, du coup, Vegeta et Goku, avec la fameuse tenue quand il fait froid dans les montagnes, quand ils vont à la rencontre de Paragus, Broly et Freezer. Alors, on pourrait potentiellement penser qu'il s'agirait justement de l'arrivée de Goku et Vegeta pour cette fameuse célébration des 40 millions de téléchargements sur le jeu Dragon Ball Legends, qui, je le rappelle, hein, a été annoncé par les développeurs étant la plus grosse célébration du jeu cette année. C'est vrai qu'on a déjà eu Mugaté, Jiren, on a eu d'énormes cristaux à farmer, quand même c'est pas rien, juste avant la célébration entre 11 et 12 000 cristaux, là on pouvait encore refarmer 5 à 6 000 cristaux, on a eu du Gogeta Zenkai également qui est arrivé, qui était attendu par la communauté, et en plus de ça qui fait vraiment très mal, mais justement, on a eu du Gogeta Zenkai, eh bien est-ce que ça préparerait pas le terrain pour le Gogeta Blue? Alors, maintenant pour moi, si vous voulez mon avis, oui ces persos peuvent arriver, tu vois, Vegeta, Goku, est-ce que ce seront les seuls persos à arriver? Est-ce que vous pensez qu'on va nous sortir qu'un seul, voire deux persos? En sachant que c'est la plus grosse célébration du jeu de l'année qui va débarquer sur... Enfin, qui a débarqué sur Dragon Ball Legends. Est-ce que ce sera les seuls persos? Non, je pense qu'il va y avoir au moins 3, voire 4 persos, comme on a eu avec Toppo, Dispo, Jiren, Mugaté, comme on avait eu également aux 2 ans de l'anniversaire de Dragon Ball Legends. Eh bien, pour moi... Ici, j'ai vraiment fait le contraste. Vous voyez, j'ai mis Gogeta Blue. Pourquoi j'ai mis cette photo? Tout simplement, dans le tweet initial, on nous dit « Assurez-vous de vous habiller convenablement et de vous réchauffer. » Ok, on nous parle quand même de se réchauffer. Comment ils se sont réchauffés dans le film? Donc, ils ont commencé dans le froid comme ceci. Et ensuite, ils se sont réchauffés au combat. Et regardez, au combat, quand Gogeta Blue, il est là, eh bien, on a un côté un peu... apocalyptique, volcanique, bien chaud, bien réchauffé. Alors là, les gars, par contre, là, je vous le dis, hein, si le Gogeta Blue, il débarque sur le jeu, après avoir mis tout ce que j'ai mis dans le portail de Mugaté, bon, de toute façon, j'en suis conscient, hein, je le savais très bien que ça allait encore arriver, les fêtes de Noël arrivent, pour Noël, tu me sors Gogeta Blue, là, alors ça peut arriver mercredi, là, je pense que d'ailleurs, potentiellement, le portail avec les persos devrait arriver ce mercredi. Si c'est pas ce mercredi-là, ce sera la semaine prochaine, mais je vois pas pourquoi ils auraient commencé à faire des énigmes, à faire du teasing sur leur compte officiel
pour ne pas le ramener ce mercredi. On est quand même lundi 14 décembre. Mercredi, on sera le 16 décembre. Tu vois ce que je veux dire ? Noël approche. Là, ouais. Là, par contre, là, les gars, financièrement, ça va être chaud. En tant que cash player, mais c'est Bogey Tableau, quoi, les gars. La vérité. Alors attention, on prend tout de même de grosses pincettes, hein. Ça reste une énigme, ça reste un teasing, je pense qu'on en saura plus dès demain. Mais quand tu me parles de froid, bah déjà il y a moyen d'avoir le Vegeta et le Goku en tenue Sab, la fameuse marque Sab de leur manteau, et peut-être le Gogeta. Est-ce qu'il faut retirer le fait d'avoir un Vegeta Blue Evolution? Parce que c'est vrai, on parlait beaucoup de Vegeta Blue Evolution. Non, ça peut être possible également. Qui nous dit qu'on ne pourrait pas avoir deux autres portails? Ou qui nous dit directement de mettre Vegeta Blue Evolution, le Goku et le Vegeta avec la tenue Sab, et puis un Gogeta Blue Legendary Finish en plus, pourquoi pas, tu vois? J'en sais rien, ou un Broly, ou... Voilà, on retire pas ce genre d'hypothèse. On va regarder un petit peu, vous aussi, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Alors, ou peut-être un Broly Zenkai pour compléter la team Badak Gogeta, donc voilà, pour le fameux trio légendaire. Il y a moyen, et en vrai, ce serait ouf. Peut-être une carte duo de Vegeta et Goku. Alors, ouais, sauf que par contre, dans le film, on voit pas Goku et Vegeta se battre avec les fameuses tenues Sab côte à côte. Voilà, ils se battent chacun à leur tour, et après se battent ensemble en Super Saiyajin Blue contre Broly. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Pour moi, c'est trop tôt, ce sera Broly DBS, je pense. Trop tôt? Oui et non, on parle tout de même d'un jeu qui a 2 ans et demi. Beaucoup disaient que c'était trop tôt pour Migaté, et finalement, on a eu le Migaté qui est arrivé. 2 ans et demi pour un gacha, les gars, ça reste un jeu mobile. Non, tu me dis ça à 1 an ou quoi? Bon, là, je peux te dire oui, là, quand même, 2 ans et demi, on s'approche de l'anniversaire des 3 ans, tu vois. Faut commencer à lancer un peu la sauce. Pour moi, c'est archi pas lui, je pense plutôt à Broly DBS. Ouais, c'est possible aussi. Et là, on a l'ami Trivax. Ça sent les sapes sabées comme jamais. Hop, voilà, je mets un petit like au frérot Trivax. D'ailleurs, dédicace à toi, frérot, dans cette vidéo. Non, je crois que c'est Goku Blue et Vegeta Blue. Mais du coup, on nous parlerait du froid, du réchauffement, juste pour Goku Blue et tout. Ah, par contre, attention, en fonction de ce que Hikaru a dit, on pourrait avoir le Goku et le Vegeta en tenue Sab, Transfo Super Saiyajin Blue. Avec la tenue, tu vois, ils se transforment quand ils enlèvent. On pourrait avoir le Goku, tu vois, en mode... Il enlève son manteau, il fait voler, et quand il dit « C'est à moi, Broly, maintenant !» Ou le Vegeta en disant... Hey, le Vegeta, dans le film Broly DBS, il dit « Ça y est, maintenant, tu m'as chauffé !» Il enlève son manteau, PAM ! Il met un coup de tête, etc. Peut-être, peut-être, il y a peut-être une piste à suivre de ce côté-là. Voilà, on verra bien. Alors, on va regarder un petit peu, maintenant, en termes de perso sur le jeu, ce que ça peut donner. Eh bien, les gars, déjà, on sait que, voilà, le Gogeta, il est Zenkai 7, hein. Moi, mon Gogeta, je l'ai fait avec vous en plein live. Il cogne. Mais alors, il cogne, mais dur. C'est un délire. Et du coup, on peut quand même retrouver également le Gogeta Transfo. Alors, on n'enlève pas la possibilité qu'on pourrait avoir ce Gogeta Blue Transfo Zenkai qui débarque sur le jeu. Mais attention, ça ferait quand même 2 Zenkai de Gogeta à la suite. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, on va dire, hein, parce que voilà, 2 Zenkai à la suite de Gogeta, ça ferait beaucoup. Et après, c'est tout, hein. On a eu la dernière fois, aux 2 ans du jeu, un Gogeta EX. On a le Gogeta type vert, et on a juste après le Gogeta type rouge qui est passé Zenkai. On n'enlève pas la possibilité d'avoir un nouveau Broly également sur le jeu. Voilà, on avait le Broly DBS type violet, puisse du coup débarquer en Zenkai. Alors, moi j'aimerais bien, j'ai déjà 9 étoiles. La vérité, ce Broly en plus, il est quand même incroyable. Donc, moi tu me le ramènes en Zenkai, je valide. Ça n'empêche pas que tu peux avoir le Broly DBS Zenkai. Donc là, on pourrait même retrouver le trio légendaire Badak SSJ Zenkai, Gogeta SSJ Zenkai et du coup le Broly Zenkai DBS. Ça, c'est une possibilité. Surtout que je trouve que le perso est vraiment très réussi. Il a une très belle transformation, etc. Pourquoi pas? Ou alors, un nouveau Broly également qui débarque. Hein, un nouveau Broly directement full power qui débarque sur le jeu. On est quand même sur une énigme, un teasing qui est tombé à 7h ce matin, ce 14 décembre. Tu vois, il fait froid là-bas. Alors, assurez-vous de vous habiller convenablement et de vous réchauffer. De vous réchauffer. Là, la vérité, voilà. Il n'y aurait pas eu ce truc réchauffé. J'aurais dit,
Ouais, ils vont peut-être nous sortir que ça, mais là, il y a le mot réchauffé, tu vois. Pourquoi ils auraient mis le mot réchauffé? Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. On pourrait avoir potentiellement le Gogeta Blue qui débarque sur le jeu. Oh, ça serait un délire, les amis. Voilà, max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Allez, je vais retirer la veste, j'ai chaud. Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!